La deuxième fondation, cette année, vous agissez massivement. Trop de gens finissent leur vie. L'âge moyen de décès d'un être humain, c'est 83-84 ans en ce moment. 81 pour un homme, 85 pour une femme. On ne va pas refaire les statistiques. Il y a des centenaires, mais vous comprenez que les sondages, dans la moyenne, c'est ça. Et trop de gens, à la fin de leur vie, regrettent tout ce qu'ils n'ont pas fait. Donc donnez-vous un maximum de moyens pour apprendre, pour étudier, pour augmenter vos connaissances, pour réduire les années en semaines, pour compresser les décennies en mois. Dans le programme Starter, par exemple, vous avez 25 ans mon expérience en 5 semaines. C'est du temps gagné. Mais il y a des gens qui vont dire, je préfère m'acheter, on préfère aller au restaurant avec quelques amis. Mais c'est une question de choix. Mais est-ce que vous allez revivre une année différente? Non, parce que vous n'allez pas changer vos habitudes, vos actions, vos stratégies. Vous allez le faire à l'impro, au feeling, comme ça, à l'improvisation. Et à la fin, vous direz, je suis pas bien, je suis pas intelligent, j'ai pas confiance en moi. Ou alors vous allez dire, c'est la faute de mon président, c'est la faute des taxes, c'est la société où j'habite, je suis trop jeune, trop petit, trop grand, trop gros. Mais non, t'avais pas de stratégie. Et t'as mis tout ton argent dans des choses comme des vêtements, des trucs comme ça, des sorties. Mais je ne suis pas contre le divertissement et les petits plaisirs externes. Mais vous devez réduire un petit peu pour investir en vous. Vous investissez beaucoup en donnant aux autres. Vous donnez de l'argent aux marchands de chaussures, de l'argent pour les autres vêtements, pour les restaurateurs. Oui, vous donnez de l'argent à tout le monde pour vous distraire. Il va falloir vous donner de l'argent à vous pour la tête, pour la renforcer. Livre, lecture, audio, formation. Allez-y les amis, on est en 2020. Et plus que jamais, l'information et la formation, tout cela est accessible. D'accord ?